Bonsoir tout le monde. Une petite pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir liés aux problèmes que nous avons connus ces jours passés. Nous sommes contents que vous soyez quand même suffisamment nombreux à avoir pu vous libérer de tous ces problèmes-là. Comme d'habitude, nous avons travaillé ardemment toute cette année, depuis 3 semaines, cette scénette pour vous la présenter aujourd'hui. Nous avons enrichi notre staff d'un metteur en scène qui, au bout de 3 jours, était suivi de Prozac à l'hôpital. Donc, ça n'a pas trop marché. Nous savons notre texte à peu près. Vous serez peut-être surpris. Enfin, on ne sait jamais. Hein. Surtout avec moi. Je vous dirai que, comme d'habitude, comme les années précédentes et cette année encore, nous n'avons pas l'ambition de vous instruire, mais secrètement, au fond de nous, le plaisir, peut-être, de vous divertir. Bon spectacle. Pas la justice, quoi. Mais pas la vengeance. Hé, hey, ouais, Robbie, ouais.
pas un lyonnais, ça. Bah non. Bon. Un Capone, que tu décides de la moralité. Eh bien, t'as mis Madoff qui échappe à la guillotine. Ah. Eh oui. La guillotine. La guillotine. Ça tranche proprement, la guillotine. Ça élimine la gangrène, ça purifie. Ça moralise, la guillotine. Si on avait su raccourcir les bonnes personnes en temps de crise, on ne serait pas là. Car c'est le vice, mon petit Saint-Justou. C'est le vice qui a vidé nos bourses. Bah, tu vois ce que je veux dire. Bon, allez. La terreur, je te dis. Terreur, oui. Terreur, oui. Je vais te découper comme des jambons, hein. La guillotine, c'est bon pour les gonzesses. Vous les découperez comme des jambons, là, moi je te leur percerai le bidon. Et puis comme il faut, elle va... Elle nous scotère, là. Et puis avec leurs couilles en or, ils pourront faire les boules de Noël pour décorer les sapins qui font le bois de leur cercueil, voilà. Comme tu y vas. Alors, faut procéder avec ordre et discipline. Ah oui. Ouais. Je vois la chose en quatre temps. Quadrillage, repérage, encerclement, destruction. Oh, et quand tous ces parasites auront animé la place de grève, l'harmonie universelle étendra enfin son aile blanche sur le monde. Oh, il y en a votre poser, hein. Ouais, mais d'abord, faut qu'il déroule, moi je te dis, moi. Ah bah, ben, comme des saucissons, hein. Comme des saucissons. Je te dis. Et le temps viendra où dans l'air purifié, le rire clair des jeunes filles fera chanter le cœur du travailleur. Ouais, vont pleurer leur mère, moi je te dis. L'amour, la justice et la joie. Oh non, mais faut leur démouler le museau, là. Faut leur dégraisser les bourrelets. Faut leur ruiner les bourses. Mais la bourse, c'est déjà fait. Et le monde sera assaini, conquérant, résolument tourné vers l'avenir glorieux d'une humanité réconciliée avec elle-même. Et merveilleux. Chacun son tour. À nous de leur bouffer les prix, de leur sucer le sang. Eh oui, à ta santé. Santé. Y a rien de tel qu'un corps sain. Avec une tête froide tout en haut. Notre traitement doit être chirurgical. Oui, mais enfin, on n'est pas non plus obligé de faire dans la microchirurgie. Hein. Oula, oh là là, oh là là. Fais attention. Pourquoi vous faire attention? Parce qu'il ne fait surtout pas de victimes innocentes. J'allais le dire. Surtout pas de victimes innocentes ou c'est la fin de tout. La révolution, ce n'est pas l'anarchie. Il y faut la loi. Sous les auspices de la divine raison et de la morale. Ah, le bel idéalisme, là. Ah, le mouton bêlant, là. Putain, c'est pas vrai, ça. Pense aux affameurs qui ont encore toutes leurs dents. Assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier raffinement de la tyrannie. Ouais. Tout système qui pourrit, oui. Pour faire péter. Système, t'es foutu. Le peuple est dans la rue. Assaillir, assaillir, assaillir. Les aristocrates à la lanterne. Assaillir, assaillir, assaillir. Les capitalistes, on les pendra. Oh. Voilà, oui, elle est pas la très santé. Hein. Oh. Elle pas la leur. Mais jamais notre mouvement ne grandira par le bordel ni la tuerie. Nous sommes en 29. Je parle comme en 1794. Le peuple ne sait pas se tenir. C'est un troupeau crasseux qui a toujours cherché un berger. C'est le mari puant des concupiscences, des vices et des attardés. L'insurrection, l'insurrection ne produirait que le déferlement des haines, la catalyse de la bêtise et de la destruction. Non, il faut de la morale. Et que, et le culotte, et même les
mec sans culotte, t'es. Ah ben ça me rappelle une copie. Ouais, bon. Hein? Reste au sérieux. Oh, réharmonie. Hein? Garantie sans juste. Écoute bien. Mais j'écoute. Bon. Oh, réharmonie. Sur les mamelles d'une société heureuse. L'unité divine sur Terre. Yeah.
Oh, ça change. Ça change. Ouais, mais la révolution, je vous le dis. Il a raison. De bonnes résolutions, civiques et morales, pour assainir le système. Allumez le feu. Allumez le feu. Il faut que ça pète. Et ça va péter. Et ça va péter. Pourquoi mettre à la place? Quoi? Mais, excusez, Théosienne, mais vous appartenez à quel parti, organisation ou association? Mais n'importe quoi, ils sont tous pourris, de toute façon, il faut que ça pète, je te dis. Mais je vous le redemande, pour mettre quoi à la place? Oh, la terreur! La vertu! Oui, oh, la vertu! La terreur! Que la justice valait mieux que la vertu et le courage que la terreur, mais je peux me tromper. Bon, eh bien, moi je vais danser. Hop, 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 hop. Avant d'aller danser la farandole ou la danse des canards, petite dame, il faudrait d'abord nettoyer ce bas monde de toute la boue qui l'empêche dans ses doigts. Ouais, et moi, tant qu'un seul banquier sera vivant, un seul, eh bien je danserai pas. Parfaitement. Et ma pierre bagnole, je l'ai pris sur le cadavre du dernier trailer. Non, vous me paraissez assez remonté. Oui, monsieur. Et on peut savoir, monsieur, d'où viennent ces envies de meurtre? Oh, ma petite dame, si vous savez. Pour moi, ça a commencé quand mon patron m'a fait comprendre que mon salaire était devenu ringard. Ah, et je suppose qu'il vous a forgué quelques actions de l'entreprise en guise d'augmentation. Évidemment. Pauvre. Et puis je ne sais quelle armée mexicaine là de financiers à cravate s'est abattue sur la boîte. Que des chefs. Et ils m'ont fait comprendre que les week-ends, c'était fait pour les blaireaux qui n'avaient aucun esprit d'entreprise, et patati et patata. Qu'un collabo de ma qualité ne pouvait pas priver de ses services son patron, sous prétexte que des communistes avaient inventé des inepties comme le dimanche chômé ou les congés payés, et patati et patata. Classique. Le pauvre homme. Ah oui. C'est là que ma femme m'a dit, mais écoute, tu choisis, c'est l'entreprise ou c'est moi. Hein. Bon, t'as pas choisi la femme quand même. Ben non. Alors, du coup, elle est partie. Avec les enfants. Puis avec la télé. La télé. Oh, c'est humain. Oh, le pauvre. Je suis de la loose, je vous dis.
phénomène. Et si. Hombre, hombre, hombre. Vois des résultats. Moi, j'ai 53 ans. Hein? Je peux même pas attendre ma retraite pinard. Peinard. Mais mon compte banquier, là. Il me l'a investi tout entier sur les marchés financiers. Qui, comme vous le savez, se sont cassés la gueule. Et quant à mes indemnités chômage, là, ben c'est bien simple, je peux m'y asseoir dessus. Vu qu'avec la dernière réforme, j'ai même plus droit. Santé. Est-ce que c'est tout ce qui nous reste? Ah bon, parce que vous aussi, vous êtes lessivé. Lessivé? Ben en fait, non, c'est le mot. Et par les ordures encore. Souillés comme ils sont, ces salopios, ils ont quand même réussi à me nettoyer. Vous savez, mes canards? Oui. À force de faire l'autruche. Ah, c'est sûr, on n'entend rien et on voit rien. Mais on montre tout de même un petit peu son anus. Oui. Sauf que moi, madame, j'étais chef d'entreprise. J'étais the king of the château. Vous me voyez déjà? C'est ta gueule! Prenez-vous pour, madame. À une époque, j'avais 17 salariés, dont 3 à plein temps et à mi-temps en CDI. 17! Et je peux vous dire que j'avais la faire tourner, ma boîte. T'as du vrai capitalisme. Ah oui, propre, sain. Chacun a sa place. Et le bureau, c'était plus grand, le mien. Tout en haut. J'étais overtop. J'étais full power. Et que s'est-il passé, ma petite autruche? Un trou au moment. Ah! Ah! Momentané. Dans ma trésorerie. Une ouverture. Ah, mais ça confirme, hein? Du capital. Un vent de. Oh, oh! Un vent de mondialisation. Ouais, bon. D'accord, trou du cul de la finance. Enfin, on était pris dans un tourbillon, hein. Les champs de pognon, le maelstrom, la vitesse acquise. On peut plus dire. Ouais, mais résultat? Ruiné, pochetron. Divorcé, je présume, je me trompe? Chanté de capitaliste financier. Chanté. Ouais, chanté, ouais. Ouais, ouais. Tant qu'on a la santé, comme on dit. Hein? Et qu'il reste les hôpitaux. Enfin, peut-être pas pour très longtemps, d'ailleurs. C'est allé comme ça. Enfin, il y a d'autres attitudes que la dépression et la violence. D'autant que les gens que vous voulez buter, ils sont comme vous. Tantôt bourreaux, tantôt victimes. Et souvent, bourreaux et victimes comme vous. Non mais oh, faut pas tout confondre là, oh. On est des victimes, puis c'est tout. Pas tout mélanger là. Non mais oh. Non mais oh. Sans blague là. Merde. Ah mais pardon. Primo, vos discours mortifères, c'est de la révolution pour toi. Eh oui, vous voulez tuer les vilains petits canards de la finance? Ah oui. Oui, mais tuez des gens, fussent-ils les plus réactionnaires capitalistes pourris. Ah oui. Eh oui, c'est une atteinte à la liberté. Ah oui. Et chacun sait que quand on coupe le cou à un connard, il continue de courir. Alors, raccourcir les tartuffes n'est pas la mort de la finance. Oui, mais alors, à ce ça n'a plus rien à faire. Ouais, c'est comme pisser dans un violon. Ouais, Marc, ça sert à rien, mais quand même, ça soulage. Hein.
Et ça fait de la musique, hein. Vous savez, le truc, c'est de ne pas perdre espoir. Car il n'y a de précaire en ce monde que le triomphe du crime et la durée du despotisme. Alors, c'est de qui ça? Ça me dit quelque chose, mais... Ah, alors ben, Margaret Thatcher. C'est Margaret Thatcher. Terminator. Ça va pas recommencer. Je passe au petit morceau. Hein, quand même. Non, c'est Stéphanie Monaco. Oh, pas vous, hein. Bon, eh ben, c'est Robespierre. Allons. Ah. De qui? Eh ben, c'est toi, les cons. Oh. Il n'y a de précaire en ce moment que le triomphe du crime et la durée de l'office du tournant. La durée du despotisme. C'est bien ce que je dis avec ta bouche. Secondo, vous avez pleinement participé au système que vous dénoncez. Vous êtes donc vos propres bourreaux. Quoi? Non mais faut mouiller de sourds quand on dit ça. Non mais t'entends ce que nous dit Robin à la Marianne là? Comment elle nous exécute là, nous des bourrons? Bourré? Oui. Bourreau? Non. Ah non mais elle est quand même vraie celle-là, putain. Je sais pas ce qu'il me retient de tout péter là, hein. De tout péter là. La peur peut-être. D'être citoyen, que lorsque vous voulez reprendre le pouvoir, d'abord c'est pour vous-même et ensuite par le despotisme. Aux croisades conservatrices.
laisser aller comme ça. Vous pourrez vous décourager quand vous aurez eu du courage. On vous a fait chanter. Eh bien, dansons maintenant.